dans Sureda. Bonjour Jean. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 9h08 sur France Bleu Belfort-Montbéliard et jusqu'à 9h30, eh bien on va vous poser une question autour des régimes. Ça fait peut-être partie de vos bonnes résolutions ce début d'année 2024. Et on s'est dit, pourquoi pas en parler ensemble avec vous. On est à votre service jusqu'à 9h30. C'est ça, on va vous demander si c'est un succès, si c'est un échec. Qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas également? Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel, mais on entend tout et entre guillemets n'importe quoi autour des régimes. Vous pouvez faire ça, tu peux faire ça, tu ne peux pas manger ça, mais tu peux prendre ça avec telle quantité. On entend tout. Ouais. Donc on va voir avec vous s'il y en a, il y a des régimes qui marchent pour vous, d'autres qui ne marchent pas. Et on va en parler jusqu'à 9h30, 03 84 22. 82 82. Et je vous propose de prendre la voiture parce que c'est quand même loin pour courir jusqu'à Valentinier. Ouais. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Jean, bonjour Emmanuel, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur France Bleu, bonne année déjà pour ce début d'année 2024. On parle du régime ce matin, c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Bah, pour ma part, j'ai commencé déjà l'année dernière, suivi par un nutritionniste sur une plateforme, quelqu'un qui est assez médiatique en ce moment aussi. Mmh. Et du coup, sur cette plateforme, bah, on a accès à tout. Donc notamment nos menus qui nous correspondent avec une large diversité, qu'on on aime cuisiner ou pas hein, d'ailleurs, avec aussi des onglets où on peut avoir accès pour les sorties, des menus où on pourrait avoir, je sais pas, une pizza ou des petits plaisirs aussi à se faire. Hein, bien sûr. Ce n'est pas interdit. Un rééquilibrage alimentaire, donc tout ce qui est petit plaisir ou les à côté qu'on ne peut pas suivre sur cette plateforme, on peut rattraper ou rembourser. Donc pour ma part, c'est une réussite parce que ça fait la deuxième fois que je refais ce rééquilibrage alimentaire. La première fois, j'ai perdu 25 kilos okay. avant d'avoir mon fils. Mmh. Et puis, donc là, ça fait à peu près 8 mois que j'ai refait avec ce nutritionniste connu. Et j'ai reperdu 20 kilos actuellement. 20 kilos de perdu. Ça marche comment pour avoir les petits plaisirs? C'est un système de points. Par exemple, il faut, je dis peut-être n'importe quoi, mais il faut 10 points pour le repas du midi. Une pomme, c'est un point, mais par contre, un steak, c'est 4 points, etc. C'est un système un peu comme ça, puisque vous avez dit que vous pouvez choisir pizza et tout, ou c'est totalement différent? Alors non, ça ne fonctionne pas trop comme ça. C'est plus par rapport à un nombre de calories sur la journée. Et en fait, vu qu'on a une structure, on la connaît, mmh. on sait la connaître très bien par jour. Donc, c'est à nous de savoir si on suit la structure, si on fait un écart plaisir. Donc, on le rembourse ou on anticipe. Donc, pour ma part, pour les fêtes, si le midi, on fêtait avec du foie gras, c'est parce que les aliments ne sont totalement pas interdits. Mmh. Et on peut se faire plaisir, donc vraiment... comme on veut, il suffit de rembourser ou d'anticiper l'écart. Et ben le midi, on fait un bon menu. Mmh. Et le soir, et ben c'est plus léger, donc c'est un potage, un fruit et puis un fromage blanc. Voilà. C'est la première fois que vous essayez de perdre du poids parce que le thème c'est succès ou échec. Et on l'a dit tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez entendu, qu'on entend tout et n'importe quoi sur les régimes. Des fois, il y en a qui marchent pour telle personne, mais qui ne marchent pas pour d'autres. Est-ce que vous avez déjà essayé avant ce régime qui semble fonctionner pour vous quelque chose qui, ça a été un échec pour différentes raisons, évidemment. Oui, j'ai déjà été prise en charge puisque j'ai des pathologies qui me font donc grossir, mmh. Avec des traitements médicaux assez lourds aussi. Donc j'ai été prise par des professionnels de santé qui ne sont pas arrivés puisqu'ils suivent un protocole médical assez strict et on ne peut pas avoir accès à ces professionnels-là, comment on peut avoir accès à ce médecin-là en semaine ou avec ses diététiciennes. Donc ça a été un échec pour moi et le suivi, en fait, c'était plus frustrant et on ne pouvait pas poser ces questions. Et là, ce qui est superbe avec ce médecin,
C'est vrai que même avec la communauté, puisqu'on peut rester en lien aussi par les réseaux sociaux, donc on s'entraide, donc ça c'est très important. Mm-hmm. Nous avons accès aux diététiciennes tout le temps. Mm-hmm. On a accès à la plateforme aussi quand on veut. Et ce médecin fait des lives gratuits. Même ceux qui ne veulent pas s'abonner peuvent suivre ces lives gratuitement et y répond à vos questions deux fois par semaine le soir. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est bien pour la confiance aussi. Qu'est-ce qu'ils en pensent ou qu'est-ce qu'ils en ont pensé, le staff médical qui vous suit pour vos problèmes de santé, Émilie, quand vous leur avez dit que vous étiez passée par une plateforme et donc une forme de régime sous ce fonctionnement-là? Eh ben, je peux vous dire qu'ils sont assez interloqués. Ouais. Ouais, interloqués, parce que il y a un médecin. Bon, évidemment, ça prend du temps. Hein, c'est sur du long terme à la perte. Et quand j'ai commencé, puisqu'il faut apprendre à se connaître, il faut quand même regarder les aliments qui vous font prendre ou perdre du poids, parce que chaque personne est différente. Mmh. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Pas des régimes hyperprotéinés. C'est vraiment un médecin qui suit par rapport à ce que vous avez besoin et par rapport à la perte à la semaine, parce que c'est une pesée par semaine. C'est pas contraignant. Une fois que vous savez ben, où vous en êtes et que vous connaissez par rapport aux produits, ben, aux aliments, c'est vrai que ça roule. Ça roule. Il y a des fois des hauts des bas, évidemment. Vous perdez pas tout le temps 800 grammes par semaine. Mais la plupart du temps, c'est quand même 800 grammes à 1,6 kg pour moi par semaine de perte. Mmh. Donc, c'est vrai que le staff médical, au début, bon, on se cherche, on démarre la machine hein, pour perdre ce poids. Et le médecin avec qui j'étais suivie, il me dit « Non mais c'est un rigolo, vous perdrez jamais. » Vous voyez, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Et là, je l'ai revu. Vous avez vu ? J'ai perdu 20 kilos grâce à ce médecin. Et alors, est-ce qu'on demande le nom ou pas? Oui, mais c'est ça, en fait. Sans citer la marque, Émilie, c'est pour ça que je tourne autour du pot. Est-ce que ce serait cette fameuse plateforme dont on parle beaucoup à la télé avec Benjamin Castaldi? Non, c'est pas elle. Non. La personne connue, c'est qui? C'est qui, Émilie? C'est monsieur Jean-Michel Cohen. Ah oui, ok, d'accord, très bien, oui je vois. Ok, très bien. Et donc là, c'est avec ça où vous avez perdu 25 kilos dans un premier temps et 20 kilos dans un deuxième temps. Et on va terminer sur ça, Émilie. Vous l'avez bien dit, attention, c'est chaque cas est particulier, chaque cas est différent. Et comme on l'a dit, le régime qui va marcher pour vous ne va peut-être pas marcher pour moi, mais va marcher pour Emmanuel, etc., etc. Donc c'est là où il faut faire bien attention. Merci d'avoir pris le temps et quelques minutes ce matin, Émilie. Et puis je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Merci.